Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de The Technomancer. On va parler à Amelia Richter et on va partir faire des missions avec elle, je pense. Hello, Amelia. The Technomancer who doesn't surge. What's your name again? Zachariah Mancer. Yeah, you're a friend of old crazy Scott, right? Scott Seeker? Yeah, I know him. He found me and got me in with the Technomancers when I was a kid. Always looking out for me. Why? He's one of my father's friends. I still see him every so often, even though he's getting loopier and loopier. You wanted something? Bah écoutez, on va aller à la voie d'ombre d'Aurora. Well, me and my men need to get to a site on one of Aurora's shadow paths. Heard you'd make that happen. Wish they gave me a heads up a Mancer was coming along. But orders are orders. I can take you when... Ça, on l'avait déjà vu. Partir tout de suite, on y va. Site de fou. Oh. Yeah, first time this far from Ophir. Nice. How's it feel? Je veux dire qu'on trouve ça excitant. I guess. A little terrifying to go this far without having the protection of a shadow path, but life's about the adventure, isn't it? Quand il parle de voie d'ombre, en fait, c'est d'être sur une zone où on ne peut pas marcher, en fait. Là, actuellement, on est en plein soleil. Life's too damn short to play it safe. You guys doing okay? Nervous about the fights we're gonna face? The fights? What fights? I did not leave my home and laboratory to foray into battle, child. Did someone tell me qu'est-ce this? Fou, là? I don't recall being... We needed a doctor with us, Scott. I just... I... D'accord. Yes, I understand. I do. But you know, fighting is... It's dangerous. People get hurt. And I guess that's why... I mean, of course, I will care for you. But no fighting means no wounds to you. Yeah, I can't lie. Yeah, it scares me. How big's the fight we're looking at? Aurora's troops and technomancers. We'll have to be tactical about it. Hit them in small groups, since there's not a lot of us. But we stick to that plan, and we should be fine. D'accord. Sure. Yeah, I'm sure once we get there, and we get to doing and not just thinking, I'll be fine. It's the thinking that wreaks havoc on me. Bon, bah c'est cool, alors. Say my first rodeo, Lieutenant. Being on a rover is pretty neat and all, but still, no different from past missions. Hit an enemy, get hit back. L'expérience. But when you've been in the bad long enough, you get used to it. Did you just call my baby pretty neat? That's it? Pretty neat? I mean, I didn't mean it's swell. Real swell. Holy shit. I think you guys plucked this fucker from the farm before he was right. Oh la vache. La traduction est moisie parfois. Bon, c'est pas grave, on y est. Oh, on peut voir le soleil. Let's focus on finding the tunnel entrance. Ok. Trouver le tunnel menant à Ophir. Là, on a un passage qu'on ne peut pas pour l'instant ouvrir. J'ai cru voir des machines au loin. Et là, je vois une échelle. Ok, monte. Montons. Oh, j'ai des trucs bizarres sur la carte. Ah, je pourrais rentrer si je le souhaitais. Oui, d'accord. Je pourrais rentrer si je le souhaitais, d'accord. Ne m'attaquez pas. Oh, bah si, c'est assez. Hop. On se fait littéralement agresser. Hop. Hop les. Oh joli. Hop, on s'en occupe d'un. Bonjour madame. Oh joli. Hop, ça c'est fait. Problème résolu. Bon. Moi qui voulais rentrer de manière discrète, si je puis dire. Un peu un échec. Aucun objet récupéré. Jeffrey, David. Est-ce qu'on peut prendre d'autres personnages peut-être? On va bien voir si on peut pas prendre d'autres personnages. Non, on peut pas changer de groupe. D'accord, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, bah on continue. On a des caisses à récupérer. Hop. Pourquoi pas.
bonjour. Je ne vous veux aucun mal. Ok. Il y a une échelle là-bas, mais est-ce qu'elle est vraiment accessible? Je ne pense pas. Sinon, en dehors de ça, il y a un sac ici. Un sac avec une bombe dedans. Ok. Hashtag future mission. Ok. Alors. Bonjour. Hop. C'est une femme que j'ai frappée. Hop, non, tu ne mourras pas. Merde, j'ai coupé mon sabre laser. Oh, ça fait mal ça. Vous êtes un petit peu nombreux là. Voilà. Boum. Hop. On a résolu le problème parce qu'on avait un Jeffrey qui était un petit peu dans la merde niveau santé. Ok. Aucun objet récupéré. Mais c'est une technomanceur. Elle a une arme électrique. J'avais même pas fait gaffe. C'est cool. On arrive à gérer des semblables, on va dire. Bah écoutez, je serais pas contre retourner devant. Comme ça, on aura affronté la plupart des ennemis qu'on avait à affronter de base. Ce qui pourrait toujours être sympa. Hein. Il y a même un passage par là. Ok, qui mène au même endroit, cela dit. Donc pas forcément extrêmement important. Donc on ouvre. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Rien. Ah, on a oublié de fouiller quelqu'un. Hop, du sérum, un tout petit. Il y en avait encore. Non, d'accord, c'est l'animation qui disparaissait. Ok. Il y a une porte. Ok, c'est le dit. Bonjour. Hop là. Oh joli. Oh putain, double coup. Boum. Ça là, tu vas pas pour l'esquiver. Aïe aïe aïe, ça j'ai pas esquivé non. Aïe. Oh putain. Boum. Ok. Ils l'ont eu. Ok, on a résolu le problème. Plus personne de dangereux dans la zone. Par contre, je pense qu'on va combattre uniquement avec l'arme, la lumière allumée maintenant. Ça va être 100 fois plus pratique. J'ai entendu un drôle de bruit. J'imagine que ça venait de moi. Alors, ici on a des mines explosives. Faut vraiment que je pense à les revendre. Ça pourrait être pratique. Au niveau de la map, que ce soit par là ou par là, on rejoindra le même endroit. Sauf que en passant par là. De toute façon, on peut faire tout ça et revenir là. Puis en plus, ensuite faire ça. Donc c'est bon. C'est bon, c'est bon. Hop, j'ouvre par là. On y va, bonjour. Hop. Joli coup. On a eu un. S'il était tout seul, par contre, il a pris vraiment très très cher. Hop. Ok, donc ça c'est l'objectif. Faire fouiller l'intégralité de la zone avant. Oh là là, le temps de l'animation est vraiment très très long par contre. Ok. Parfait. Par ici. Bonjour. Oh, un gros.
Voilà, je me suis planté encore de sort. Tiens, on va essayer quelque chose d'autre. Oula. Si tu veux pas t'attaquer à moi. Tant pis. Hop. Un nouveau point de compétence, c'est parfait. Crac. On a récupéré que du sérum dessus, c'est vraiment dommage ça par contre. C'est vraiment dommage. Je peux pas l'améliorer, d'accord, c'est pas grave. Ici je peux mettre un point. Ça peut être intéressant aussi ça. Ça peut être intéressant aussi. Ça j'utilise pas. Ça faut que je mette un point. Hop, voilà. Ça c'est bon. Ici donc on peut repasser par là. Et aller ici. Ça pourrait être intéressant, non? Je sais pas, ça me semble intéressant sur le principe. On a un coffre de toute manière ici à ouvrir. Ok, sans souci. Voilà, on va aller par là. S'il accepte, oui, il accepte. Il aurait très bien pu dire non en fait, le jeu, c'est pour ça que je suis. J'étais sceptique. Après, on pourra revenir là. Repasser par là, c'est quoi ça? Trouver le tunnel menant au fir. Trouver l'entrée des ruines coloniales. On a deux quêtes à faire ici? D'accord, on a celle-ci. Et on a, oui, retrouver la terre. Donc on va commencer par les ruines coloniales, hein, chers amis, hein, je précise. Hop! Oh la vache, je m'attendais pas à un combo de ce genre. Oh la vache. Hop. Hop, on a pas mis le point. Ils l'ont eu. GG. Il n'avait rien sur lui, le pauvre. Vraiment dommage. Bon bah écoutez, on sort pas trop mal. On a pas mis le point qu'on avait obtenu. Pas par là, pardon. Ici. Ah ah, oui c'est vrai, on en a 3 points que j'ai pas mis encore. Parce que je ne sais pas encore quel équipement je souhaiterais mettre. Voilà ce que je voulais faire. Hop, parfait. Je peux passer par là et revenir ici, sans souci. Ok. On ouvre. Encore des mines explosives que je n'utilise pas. Un coffre ici. Hop. Injection de soins, mine de métal de qualité, génial. Pour les énumérations niveau 2, ça va être extrêmement pratique. Ah bah alors, ça picote. Monsieur le gros, si vous permettez... Oh la vache, je me suis fait une rafale d'un truc. Aïe. Oh la vache. Il m'a fait tellement de dégâts. Hop. Donc pour un tank, t'es pas extrêmement pratique, toi. Injection de concentration, je peux les revendre aussi, d'ailleurs. Rien d'intéressant. Et ici, masse lourde en acier. D'accord, bon à savoir. Oui, mais t'inquiète pas, je te laisse partir. Je t'ai entendu. T'en prie, vas-y. Allez-y. Here's your way out. I don't know where you're gonna go, but you better get going. They will never forget the Hammer Man. Never. They thank him. Je vous en prie, allez-y. Je n'ai aucune raison de laisser de la main-d'œuvre à mes ennemis. Hein. Tout comme je n'avais aucune raison de les laisser croupir là-dedans. Il était bien amoché déjà dès le départ. Hop, on déverrouille tout ça. Hop, alors, là faudra faire attention, première à droite. Enfin,
première à droite, après celle-ci, donc deuxième à droite. Ok. Et ici, d'accord, bonjour. Aïe. Hop là. Je crois que je les ai tous eus, ce qui veut dire que celui-là. Voilà. Ne sera pas un problème. Par contre, j'ai peur d'avancer un petit peu trop loin maintenant. Peut-être pas aller la fouiller l'autre là, parce que celle-là, je pense qu'on va se faire avoir si on y va. Ok, tant pis. Alors, on va par là. On va commencer par les ruines coloniales. Oh, bonjour. A technomancer from Abundance. And I heard you were all nearly extinct. What are you doing here? What do you want? I want to come in, and you're gonna help me. No, I don't think I am. Merde, je me trompe de bouche. Hop. Stop, I'll help you. Ah? I told you you would. Don't know why you didn't believe me. Here I come. To save the day. Allez, vas-y, ouvre. Ouvre, ouvre, ouvre. Ok, j'ouvre ça, moi. Rien d'autre à ouvrir. J'imagine qu'il y est allé. Ah, va me falloir un deuxième technomant, d'accord. Pas rien ouvrir dans le coin. Ici, on a un coffre verrouillé, cela dit. Niveau 1, ça va. Rien d'extrêmement complexe à ouvrir. Hop, voilà. Parfait, on sort plutôt bien. Merci du coup de main. C'est bête qu'on m'envoie seul ouvrir une porte de technomant. C'est stupide quand tu y penses. Récupérer la relique. The dome's in amazing condition. Though I doubt Aurora's been taking care of it. Coffre. I wonder where the relic the merchants talked about. Fortunately, this is beyond my skill level. Puis j'ai coupé le dialogue. Fais chier. Fais chier, fais chier, fais chier. Ok, bon. Bon, bon, bon. J'aurais aimé pouvoir l'empêcher d'entendre dans ce qui va se passer, mais. Malheureusement. Well, it looks like we found the relic. Doesn't look like much, but the style of writing looks familiar. Even if I don't have a clue what it means. You able to decipher it? What is it? It even real? We haven't been able to decipher it yet, but yes, no doubt it's real. Not sure if I can tell you anything else about it. I don't know what you're planning to do with it, and I don't want to offend you by talking about sacred matters, but you know some knowledge should only stay among technomancers, right? So be careful, please. I know what I'm doing. What is it? Parfait, faire son rapport au grand maître. We should show this to the captain. It must be. Est-ce que tu acceptes de me laisser passer? Oui, il accepte. Il aurait très bien pu dire non. Hein. Il aurait très bien pu dire non. Il aurait très bien pu dire non. Je suis surpris, à vrai dire. Je suis surpris qu'il me laisse partir. Mais bon, ça ne m'étonne pas plus que ça en soi. Alors, profitons-en. On avait quelqu'un à fouiller dans le coin. Normalement, voilà. Madame, quincaillerie débris, d'accord. Ici, est-ce qu'on peut l'ouvrir? Oui, on peut. Oui, on peut. Et oui, c'est bien lui. C'est l'ami Zach. Il répond présent. Il t'électrocute. Bon. Et ici, je peux l'ouvrir? Niveau 2. Oui, je peux l'ouvrir. Hop. Allez, des armes de fou. Non, rien du tout. Examiner. They must have been using them to make explosives to help out with the drilling. Guess it'd work for me too. One charge should be big enough to close the tunnel down. Just mix it all together, attach it to a single detonator, and bam, gonna be a beautiful. Bam! You really believe that they'll have left enough? Trouver un détonateur, poser la bombe. I need some materials if I'm gonna. Ah bon, j'ai des mines sur moi. Je sais pas si ça te, hein? Non?
S'il y a vraiment nécessité de revenir sur nos pas. Bon, ça va, il n'y a pas trop trop loin. Mais bon, sur le principe, ouais, voilà, j'ai déjà explosé sur moi, quoi. Yo, yo, yo. Ça va être ici. D'accord, ça m'obligeait en fait à passer par toute la zone. Oh. Un détonateur. Un truc qui fait boum. Veux-tu bien sauter? Ah, parce que... C'est bon, vous avez tous les deux sauté, je peux passer. Merci. Oh là 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 là. Ok, il n'y a personne dans le coin, donc on peut normalement continuer à rusher. Cependant, je ne serais pas étonné de voir les technomorphes venir nous attaquer par derrière une fois qu'on aura bouché le tunnel. Ça ne m'étonnerait qu'à moitié. Alors. Boum. Perfect. Got everything I need to shut this access point down for good. All set. Just need to get back to the rover before setting it all off. D'accord, pas de souci. On y va. Il y a un chemin très simple à faire. par contre, est-ce que c'était par là? Oui, c'était par là, puis là il y avait l'escalier normalement. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. OK, bah pour une première mission, on s'en est plutôt bien sorti. Je veux dire en dehors de la ville, hein, bien sûr. Hein. Alors, faire exploser le tunnel. Contre-attaque, c'est fait. Boum! Allez! Parfait! Bah voilà! Tu vois quoi tu veux, Zach? Mon petit Zach! Bon, je m'attendais à ce qu'il y ait une mission dans le tunnel quand même, qu'on puisse aller voir avant de tout casser, mais bon. C'est la méthode américaine. Mission accomplished. Oui, mais enfin bon, si on avait déjà dans le tunnel. The vibrations is soothing, hypnotic. They make me so tired. Dear old Scott, my machine's caressing you with rumbles. Sweet talking you. Can't go falling asleep on a battlefield though. Il s'est endormi finalement. C'est qu'il est bien. The city won't ever have to face another attack like the last. All those people wounded because of those broken shutters. Just thinking about it, I feel nauseous. Je te comprends. Gotta get used to the vibrations. Can puke their ass out their first time. No, I meant the thought of all the. Never mind. Il a essayé d'expliquer, mais non, en fait, fuck it. Aurora shows up and blows up part of our city, and how do we retaliate? Send a handful of people like us? I don't get it. You ever do anything but bitch? Allez, je l'aime pas. Je l'aime pas, je te dis, je l'aime pas. Tripping a rover. Hell, if I was you, I'd be grinning ear to ear. Why don't you do that? Bitch less, smile more. Ah, je l'aime bien. I've got something to ask you. Je vous écoute. What can I do for you? I well, I don't know if you know, but my dad died when I was young. Actually, he disappeared. He never came back from one of his explorations 15 years ago. I'm sorry. D'accord. I didn't know. Yeah, I don't want your pity, okay? It's not about that. What I mean is, I've never managed to find out what kind of mission he was on and where he had gone. I know he was close to Scott. He was probably even his best friend. That old crazy man doesn't want to tell me anything. He says he wants to protect me. Look, I'll just cut to the point. I was wondering if you'd maybe look in his dispensary for me, see if you could find any of my father's notes or letters or... I don't know, Amelia. Scott's like a father to me. And besides, you know he's almost always there. How would I even do it? I'm not asking you to break in or steal nothing. Just keep him busy. And while you are there, you know, just flip through files. I'm sure there's letters between him and my dad. He's not one to tout bêtement, je vais voir si je peux lui demander, si peut être dans la capacité de lui demander. I'll try to make him leave, but if I don't find anything... Yeah, yeah, I won't blame you. But I know that you're going to find something. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Ça me dérange pas de le faire, honnêtement, hein, y a pas de souci. Après, j'aurais préféré demander, personnellement. C'est tout con, mais fouiller dans les affaires des autres alors qu'on peut tout simplement demander, c'est peut-être plus pratique. Quoi qu'il en soit, on est juste à côté, donc on va pouvoir le faire. Hein. Une petite sauvegarde quand même avant, parce qu'on est quand même rentré d'une mission importante. Merde. Ce serait pas mal d'y penser. Alors. Hello, Scott. My captain told me that she wanted to see you. Is it related to you? Are you sick? No, not that I know of. She didn't tell me why. Oh, I... T'aurais pas dû l'envoyer vers quelqu'un, c'est con. It's an important question. I should still take it though, but
It's a little heavy. All right, I'm leaving without it. Putain, qu'il est con. Ok, ça me fait pas plaisir, honnêtement. Pas du tout. I think I have a problem with going through your friend's things. I hope whatever you're looking for... Fortunately, this is beyond my skill level. Ouais. Je suis loin d'être d'accord. C'est l'être de ben, le père de Ménard, vous en avez une qui fait référence au fils de celui-ci. Fait référence au fils de Scott? What the fuck? Bon, on va retourner la voir, on est juste à côté, c'est très pratique hein, pour le coup là. C'est vraiment de la quête FedEx de bas étage. Alors. Amelia! Yo! Hello, Mancer. Hello. J'ai des lettres qui appartiennent à Scott, écrites par ton père. I knew it. Tell me. Most of the correspondence was friendly. They were very close. However, there was some tension between them over time. Some letters gloss over an expedition that they had done together. But what surprised me the most is when your father talks about a boy who was actually Scott's son. The last letter I found is a bit bizarre. I didn't really understand what he meant. What did he mean? Do you remember? Your dad begged Scott to stop the madness, warning that his wife's divorce was only the beginning of what he would lose if he couldn't face the truth. That it was too late for his son. Ça m'embête en fait. Il y a un truc qui m'embête dans le jeu, je vais vous expliquer. It's true that it's rather mysterious. Scott, a son. Did you know? No. He never told me about him. He obviously lost him. No doubt it's still a touchy subject. We have to find out what this is all about. You have to ask his wife. Did my father really mean to interfere in his family drama? Maybe that's why he disappeared? Please, Zachariah. Je suis pas tout à fait d'accord. Il y a un truc que j'aime pas dans le jeu, chers amis, c'est qu'en fait, on n'apprend rien par nous-mêmes. Le personnage n'apprend rien. On ne le sait pas. Comment dire ? Là par exemple j'ai trouvé des papiers, on les a pas lus, le personnage les a pas lus. Enfin le personnage les a lus mais nous non. Et donc en fait on est mis vraiment à l'écart du personnage. Alors dans un jeu on est déjà à la troisième personne. Je trouve ça peut-être un petit peu trop faire. C'est un petit peu trop trop éloigné en fait. On a l'impression qu'on est le même, le joueur est placé en position de spectateur. Et c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, j'en parlais Oula, citoyenne, d'accord. L'ex-femme de Scott. Et croyez pas que parler à Scott directement serait peut-être une meilleure idée. C'est mon avis. Mais bon, est-ce que je vais dans la bonne direction cela dit? Non, non, bah non, bah non, ce serait trop simple. Ce serait trop simple, poussez-vous. Par là, puis à droite, puis à gauche. Ok. Ah c'est compliqué. Une citoyenne. Et donc ça va être quoi comme genre de citoyenne? Parce que si c'est une femme habillée en vert, bah non ça va. Hey, you, please, please stop. I need your help, please. You is one of them. T'es vieille pour t'habiller comme ça, dis donc. Heard about you, one of them fancy officers supposed to be our protectors. We do what we can. Then maybe you, the man, I should ask for help. You see, I got a daughter, prettiest thing you ever seen, so sweet and kind and everything a mom had ever wanted a baby girl. C'est clairement un piège. Kind of daughter makes you just bubble with pride. But she's gone now, just disappeared. And I know you don't know her, but I promise she ain't the kind of girl who just leave her mama without no word. It's them Vori done took her. I knew it. Took her and forcing her to do heaven knows what. Horrible things I can't imagine. You gotta help. You've got to help her. Comment je vais gagner ma vie si elle me revient pas? Ouais, d'accord, je vais la chercher. What's her name? Sarah. Her name is Sarah. Thank you so much, sir. I can't say how good it is for you to help a woman like me. Thank you, sir. Thank Honnêtement, j'ai peut-être pas lui renvoyer sa fille. Hein. Si elle est mieux là où elle est, si elle est mieux là où elle est, je vais pas lui renvoyer sa fille. Hein. Honnêtement, des choses que je ne ferai pas. Comment on peut fermer cet endroit? C'est sympa. Bon. Bon, bon, bon. Alors, on est où par rapport à... D'accord. Ouais, honnêtement,
J'ai pas envie de lui renvoyer sa fille, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, vous êtes de retour, vous allez voir m'attaquer. Ouh là là, les grands vilains, les grands vilains. Ah merde. Ah merde, je fais le con. Bon, c'est pas la peine. Hop. Pourquoi tu m'attaques moi? Hop. Hop et voilà, ou flingue, ça se termine bien. Hop. Un choix et un laisser passer. Blouson de vori léger. C'est chaud, ces ennemis-là me donnent plus d'équipement que les ennemis, si je puis dire, classiques. Par rapport à Anton, on est où? On est au mauvais endroit. Putain. Hop, ça va être par là. Ça va être par là. Cette téléportation devant la porte était magique. Ok, eh ben écoutez les amis, du coup on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, viriser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, ne pas trouver le lien dans la bannière de la chaîne. Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne, je vais m'exprimer correctement, pardon. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, je vais y arriver chers amis un jour. C'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yo.